Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe DCE Live, avec le choix joueur héros Fit Fantasy ou FIFA World Cup noté 87+. Donc les amis, il faut compter 300 000 crédits environ pour ce défi-là, il y a deux défis à faire. Une équipe notée à 86, il faut compter 120 000, une équipe notée à 87, il faut compter 180 000. Les amis, je vous fais ça avec en concept le moins cher possible, et je vous fais ça après avec les joueurs de mon club, bien entendu. L'équipe notée à 86, on n'a pas vu les packs, vous récupérez un pack prime joueur mélangé et un pack joueur rare mélangé pour l'équipe notée à 87. L'équipe notée à 86, il fallait juste une note à 86, vous mettez 4 joueurs à 87, 1 joueur à 88, et le reste vous comblez de 83, il en faudra 6. Donc là, pas bien compliqué, je vous donne les noms. Kylian Trippier version boost à 88, vous allez voir, vous en avez d'autres, vous avez Donnarumma, vous avez, j'en sais rien, mais enfin vous en avez plein, honnêtement vous en avez plein, Donnarumma, Navas, Kroos, Modric, enfin bref, Ter Stegen. Des joueurs à 87, Trent Alexander-Arnold, Steven Bergwijn la version boost à 87, Marco Verratti, Andrew Robertson, vous avez Rodri, bien entendu, mon cousin, enfin bref, des joueurs à 87, c'est pas ce qui manque. Et 6 joueurs à 83, pour moi c'est Arojo, Ronald Arojo, Jordan Anderson, Thomas Lemar, Fernando, Antoine Griezmann, et un joueur à 84, Sergio Ramos. Donc pardon, du coup vous mettez 5 joueurs à 83 et 1 joueur à 84. J'aime bien faire, parce que, tout simplement parce que j'ai pas fait comme ça, sinon j'aurais vu qu'il fallait un joueur à 84. Donc voilà, je répète, 1 joueur à 88, 4 joueurs à 87, 1 joueur à 84 et 5 joueurs notés à 83. Ça vous fait 120 000 crédits environ. Et puis on est bon. Voilà, tout simplement. Allez, l'équipe maintenant notée à 87. Il fallait un boost. Donc bon, vous avez lui par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, il est pas câble en ce moment. Pour les joueurs à 88, vous mettez 6 joueurs à 88, 5 joueurs à 83, et vous avez la note. Donc, en 88, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ruben Dias, par exemple, Luka Modric, Toni Kroos, Keylor Navas, Marc-André Ter Stegen, et Michael Olise en version boost à 88. Vous terminez avec 5 joueurs à 83, Cristiano Romero, Pau Torres, Jesús Navas, John Stones, Roberto Firmino, et c'est tout. Maintenant, je vais faire ça avec les joueurs de mon club. Donc, on va commencer par là, déjà. Hop. Donc, moi, je vais regarder si je peux faire, parce que, honnêtement, j'ai pas non plus 40 000 grosses notes. Hop, hop, hop. Et si on garde, Ramos, on garde. Diaby, oh, ça va être compliqué, en fait, je crois. Ça va être très, très compliqué. Fofana, Trippier. Ok. Bon, je vais couper la vidéo, je vais faire ça avec les joueurs de mon club, ce sera un peu plus long sinon, et on ouvre le choix juste après. Voilà les amis, c'est fait, le choix joueur héros, on est parti. Allez, la dernière fois on avait récupéré Peter Crouch, et là, ben, on va récupérer Papin juste pour la note, hein, parce que même si Brolin c'est un peu plus jouable que Papin, Papin ne me servira à rien, on va le prendre. Pour la note, bon, c'est pas ouf, hein. 300 000 crédits pour un joueur à 92, qui vaut pas grand chose. C'est le jeu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.